Ludmila. Ludmila, quelque chose s'est éteint. Ludmila. Quoi? C'est une sorte de petit documentaire sur, sur mon chien. Donc c'est un jeune chien en pleine santé. Ça se lit dans son poil. Ça, c'est son jeu favori, ça. Il court, et ouf, là, il mange l'eau, enfin, en un certain sens, en fait. Donc, ce jour-là, c'est Laetitia qui faisait la victime. Laetitia s'est étendue sur le lit, à plat ventre. Moi, je l'ai rejointe et je me suis étendue sur elle. Et j'ai commencé à faire semblant Vous avez mimé l'acte copulatoire. Voilà. Elle était nue? Non, d'habitude, non. Mais ce jour-là, j'ai eu envie de lui enlever son pantalon. J'ai désengoncé l'échelle de lit superposée, je l'ai démise. Uh-huh. Alors Michael est revenu avec ses fleurs, il a payé, il a commencé le parcours. Il a fait accumuler sur le lit et puis quand il a voulu emprunter l'échelle, celle-ci s'est démise tout son poids, voilà. Que s'est-il passé ensuite? Rien, il est tombé. Et votre ami s'est cassé quelque chose? Oui. Quoi? La colonne vertébrale. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Grégoire! Je retire de la production les petits pois ne correspondant pas aux attentes du consommateur. Mais ce qui veut dire quoi exactement? Vous avez une minute pour trouver le trésor dans un environnement domestique, familier, qu'on pense bien connaître, mais dans lequel s'est glissé le trésor. Voilà, oui, non, ça c'est froid. Non, la poubelle, c'est froid et ça sent mauvais en plus. Je crois que j'ai trouvé. Et c'est gagné. Bravo, félicitations Corinne. Alors, vous avez de la chance d'avoir trouvé le trésor. Dites-nous un peu ce qu'il en est là. Deux petits bras et deux petites jambes.